Un voyage fort en émotions. Depuis plusieurs jours, Laetitia Hallyday est de retour en Saint-Barth pour le 2e anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Accompagnée de ses filles, Jade et Joy, la veuve de l'idolé des jeunes profite de son retour sur l'île paradisiaque pour retrouver des amis à elle. Vendredi 6 décembre, elle a notamment passé une journée de détente en compagnie de Liliane Joshua. Les deux femmes, très proches, se sont prélassées à la place. Sur son compte Instagram, elle a d'ailleurs partagé un cliché en maillot de bain. Casquette sur la tête, Laetitia Hallyday était ravissante dans une pièce bleu roi très décolletée. Il y a tellement de belles personnes dans notre vie et puis il y en a de très belles et si spéciales. Je t'aime ma Laetitia, a commenté Liliane Joshua, qui a également partagé un repas dans un restaurant avec la veuve du rocker et sa fille, Léa. Si est-y donc entourée des gens qu'elle aime que Laetitia Hallyday s'est recueillie sur la tombe de Johnny. La veille au soir, elle lui rendait à nouveau hommage. Sur son compte Instagram, la mère de Jade et Joey a partagé plusieurs photos et vidéos émouvantes de cet événement. Avec les proches de Johnny, elle avait prévu une veillée nocturne. Fleurs, bougies, mots d'amour, chansons. Tout était réuni pour célébrer la mémoire de Johnny Hallyday. Un moment forcément émouvant pour Laetitia, mais aussi pour Jade et Joy. Un troisième Noël sans Johnny sur les réseaux sociaux d'ailleurs, Jade Hallyday a partagé un bouleversant message pour honorer la mémoire de son papa. Il y a 2 ans, mon père est allé au paradis. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point tu me manques ou à quel point je t'aime, a écrit la fille de Laetitia Hallyday en légende de plusieurs photos. Tu es le père le plus merveilleux du monde entier, je suis tellement chanceuse d'avoir un père aussi incroyable, étonnant et talentueux. Ce que je sais, si est-il que ton esprit sera toujours à nos côtés. Je t'aime papa. Ensemble, Laetitia Hallyday, Jade et Joy devraient passer les fêtes à Saint-Barth. Leur 3e Noël sans Johnny.